près de 3 heures d'embrassades, de poignées de main et de sourires ont caractérisé la visite du pape François au Bambine Gesù, l'hôpital pédiatrique du Saint-Siège, situé sur la colline du Janicule à Rome. Il a ainsi participé à la douleur d'une croix souvent difficile à supporter pour les mamans et les papas qui ont attendu avec joie la venue du Saint-Père. Au cours de sa visite, le pape François a alterné des moments privés dans les services de thérapie intensive avec des moments en public. Il a visité 5 départements, il s'est arrêté dans les couloirs pour saluer le personnel médical, il a béni une ambulance et il est ensuite entré en compagnie de petits malades dans la chapelle de l'hôpital où les enfants lui ont remis un panier rempli de messages avant qu'il ne prenne la parole. Lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, pendant son homélie, le pape a demandé de veiller et d'ouvrir son âme pour recevoir Jésus en ces jours-ci. Il y a une troisième venue du Seigneur, celle de tous les jours. Le Seigneur visite chaque jour son Église. Il rend visite à chacun d'entre nous. Et notre âme prend cette ressemblance. Elle ressemble à l'Église. Elle ressemble à Marie. Les pères du désert disent que Marie, l'Église et notre âme sont des mots féminins et que l'on peut dire de l'une ce que l'on dit d'une autre. Et ce que se dit d'une, analogamente, si peut dire de l'autre. Notre âme est aussi dans l'attente, l'attente de la venue du Seigneur. Elle est une âme ouverte qui demande. Viens, Seigneur, et je me demande, sommes-nous dans l'attente ou sommes-nous renfermés? Sommes-nous vigilants ou sommes-nous en sécurité dans un hôtel, le long de la route, à ne plus vouloir avancer? Sommes-nous des pèlerins ou sommes-nous des personnes perdues? C'est pour cela que l'Église nous invite à prier ce viens, à ouvrir notre âme, afin qu'elle soit, en ces jours-ci, vigilante dans l'attente. Veillez, que se produit-il en nous si le Seigneur vient ou non? S'il y a de la place pour le Seigneur, ou pour les fêtes, pour les courses, pour le bruit, notre âme est-elle ouverte comme l'est notre Sainte Mère l'Église ou comme l'était la Vierge Marie? Ou bien notre âme est-elle fermée et avons-nous accroché sur notre porte un petit écriteau très courtois sur lequel il est écrit « Ne pas déranger s'il vous plaît ». Aujourd'hui, nous devons répéter plusieurs fois « Viens ». Et chercher à ce que notre âme ne dise pas, ne pas déranger. Non, que notre âme soit ouverte, grande, pour recevoir le Seigneur en ces jours-ci. Per ricevere il Signore in questi giorni. Et qu'elle commence à entendre ce que l'Église nous dira demain pendant l'antiphonie.
nell'antifona ci dirà la Chiesa. Sappiate. Sachez que le Seigneur vient aujourd'hui et demain vous verrez sa gloire. Vedrete la sua gloria. Une rencontre toute particulière pour échanger les vœux de Noël. Dans l'après-midi du 23 décembre, le pape François a rendu visite au pape émérite. Benoît XVI a accueilli le pape à l'entrée de sa résidence, l'ancien monastère Mater Ecclesiae. Après une brève prière côte à côte dans la chapelle, la rencontre en privé a duré une demi-heure environ dans l'une des pièces de la résidence. Puis le pape François, qui était accompagné de ses secrétaires particuliers, a salué les membres de la famille du pape émérite, Monseigneur Georges Genswein et les Memores Domini. La visite a duré environ trois quarts d'heure. Non temete. N'ayez pas peur. Notre Père est patient. Il nous aime. Il nous donne Jésus pour nous guider le long du chemin vers la terre promise. Il est la lumière qui éclaire les ténèbres. Il est notre paix. Lors de son premier Noël, en tant qu'évêque de Rome, le pape François a prononcé des mots rassurants et pleins d'espoir. Une nouvelle fois, a affirmé le pape, alors que les silences règnent sur le monde, l'histoire de l'homme est marquée par le miracle d'un Dieu qui, fidèle à son pacte et à ses promesses, donne son Fils comme notre frère, comme lumière dans nos ténèbres. Lors de la messe de la nuit de Noël, dans son homélie, le pape a rappelé à chacun que nous sommes un peuple en marche et que l'histoire personnelle de chacun est une alternance d'ombre et de lumière. Si nous aimons Dieu et nos frères, a affirmé le pape François, nous marchons dans la lumière. Mais si notre cœur se ferme, si l'orgueil, le mensonge et la recherche de son intérêt personnel prennent le dessus en nous, alors les ténèbres descendent en nous et autour de nous. Mais chaque jour, et surtout en cette période de grâce, l'homme peut trouver ou retrouver la lumière, car Jésus est le sens de la vie et de l'histoire qui a planté sa tente au milieu de nous. Vrai Dieu et vrai homme, a conclu le pape, cet enfant né parmi les derniers et les rejetés n'est pas seulement un maître de sagesse, un idéal vers lequel nous tendons, mais dont nous nous tenons inexorablement éloignés, mais l'amour qui s'est fait chair. La véritable paix n'est pas un équilibre entre des forces opposées. Ce n'est pas une belle façade derrière laquelle il y a des affrontements et des divisions. La paix est un engagement de tous les jours que l'on maintient à partir du don de Dieu, de la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Dans son traditionnel message de Noël, le pape a posé son regard sur les multiples conflits qui déchirent et blessent de si nombreuses vies dans le monde. Depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, où il a ensuite accordé sa bénédiction Urbi et Orbi, le pape a souhaité une vraie paix en Syrie, en République centrafricaine, pays souvent oublié par les hommes. Pour le Sud-Soudan et le Nigeria, lacérés par des attaques répétées qui n'épargnent pas les innocents et les personnes sans défense, pour la Terre Sainte, où Israéliens et Palestiniens peinent à arriver à une entente complète, pour l'Irak, encore frappé par de fréquents attentats. Le pape François a ensuite demandé au Seigneur de la vie de protéger ceux qui sont persécutés à cause de son nom, de donner de l'espoir et du réconfort aux réfugiés, en espérant que des tragédies semblables à celles de Lampedusa n'aient plus jamais lieu, de toucher le cœur de ceux qui sont impliqués dans la traite des êtres humains, de veiller sur les enfants trop souvent enlevés, blessés et tués dans les conflits armés ou transformés en soldats, sur les femmes maltraitées, de poser un regard bienveillant sur la planète exploitée de façon inconsidérée par la cupidité et l'avidité des hommes. Laissons nos cœurs s'émouvoir face à la tendresse de Dieu, a conclu le pape François, invitant chacun à ne pas perdre le courage de la prière. Nous avons besoin de ces caresses qui ne blessent pas mais donnent de la force. Quanto è potente la preghiera. Dans le climat de fête de Noël, l'Église se souvient aujourd'hui de Saint Étienne, qui fut le premier à verser son sang pour le Christ et l'Évangile.
Durant l'Angélus, le pape François a expliqué que cette fête était pleinement cohérente avec la foi, car dans le martyr, la violence est vaincue par l'amour, la mort est vaincue par la vie, parce que Jésus transforme la mort de ceux qu'il aime en une aurore de vie nouvelle. Dans le martyr d'Étienne, on retrouve cette même opposition entre le bien et le mal, entre la haine et le pardon, entre la douceur et la violence, qui trouve son expression ultime dans la croix du Christ. Le souvenir du premier martyr vient effacer une image erronée de Noël, une image féerique et doucereuse qui n'existe pas dans l'Évangile. C'est dans cette optique que le pape a élevé une prière pour les chrétiens qui subissent des discriminations, pour ceux qui sont accusés injustement et qui font l'objet de tout type de violence. Cela se produit en particulier là où la liberté religieuse n'est pas encore garantie ou n'est pas totalement atteinte, mais cela se produit aussi dans des pays qui, sur le papier, protègent la liberté et les droits de l'homme, mais où, dans les faits, les croyants, spécialement les chrétiens, font l'objet de limitations et de discriminations. Prions pour que le caractère sacré et inviolable de la famille soit reconnu et valorisé. C'est ainsi que le pape François a développé ce thème important après l'Angélus, à l'occasion de la fête de la Sainte Famille de Nazareth, saluant les familles réunies dans plusieurs parties du monde, comme à Madrid en Espagne. Avant la prière de l'Angélus, le pape François a souligné que la Sainte Famille de Nazareth, fuyant l'Égypte et réfugiée, renvoyée au drame des migrants et des réfugiés qui sont victimes du refus et de l'exploitation, à celui des personnes qui sont écartées au sein même de leur famille, comme les personnes âgées. L'annonce de l'Évangile, a souligné le pape, passe par les familles car c'est là que l'on vit la tendresse, l'aide réciproque, le pardon. La famille est le lieu du projet, parfois du refus et de l'abandon, mais surtout le lieu où l'on choisit la vie et la dignité. Le pape a ensuite prié la Sainte Famille de Nazareth pour que la famille ne soit plus jamais le lieu de violence et de division et pour que ceux qui ont été blessés trouvent rapidement consolation et guérison. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable et nous nous adressons à vous avec confiance. Sainte Famille de Nazareth, rends aussi notre famille des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, jamais plus dans les familles l'on doit faire l'expérience de violence, fermeture, division. Quiconque a été blessé ou scandalisé, qu'ils connaissent rapidement consolation et guérison. Sainte Famille de Nazareth, le prochain synode des évêques puisse éveiller chez tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen.